Allô, allô. Yesu ni pura amour, ame ja pendo kweli, anaweza kusi mika kila mwenye uzaifu. Anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Analipa ujasiri. Atanikionda kufa Yesu ni mchumba wangu. Nimefungwa na Mwokozi kwa kifungo cha upendo. Atakufa akuwezi kunitenga na ye Yesu. Atakufa, atakufa akuwezi kunitenga na ye Yesu. Wake siku zote ninataka kumutii. Mimi wake siku zote ninataka kumutii. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa neema nimepona, nisitumikie dhambi. Kwa mikono ya upendo nina wanaye, sitaweza kutasiri pendo lake kubwa kwangu. Sitaweza, sitaweza kutasiri pendo lake kubwa kwangu. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Napokea nguvu yake, yanijaza moyo wangu. Yesu ananiongoza katika safari yangu. Uyu Yesu, Yesu ananiongoza katika safari yangu. Nyekenyefu mwetu amenamomoka, mwanda wako
Alléluia, paix à la maison des morts.
Yahvé. Vie, vie, vie. Alléluia, vie, 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 vie. Alléluia, vie dans la maison des mandères. Il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie dans la maison des mandères. Il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie, joie, joie, joie. Alléluia, joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon père. Il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon père. De la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire dans la maison de mon père. Il y a de la gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire. Jésus-Christ, le roi des rois. Il est le roi des rois. Les sorciers s'appellent c'est devant lui. Il est le roi des rois. La maladie s'appellent c'est devant lui. Il est le roi des rois. Les marabouts s'appellent c'est devant lui. Il est le roi des rois. Jésus-Christ le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Tout-puissant, il est le tout-puissant. Dieu s'appelle devant lui. Il est le roi des rois. Les maladies s'appellent devant lui. Il est le roi des rois. Même Satan s'appelle devant lui. Il est le roi des rois. Jésus-Christ, le grand berger. Il est le grand berger. Jésus-Christ, le grand berger. Il est le grand berger, Dieu s'appelle devant lui. Il est le grand berger, les marabouts s'appellent devant lui. Il est le roi des rois, même Satan s'appelle devant lui. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des rois. Jésus-Christ est roi des rois. Il est le roi des rois. Le monde s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Les nations s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Tous les dieux s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Tous les mondes s'abaissent devant lui. Il est le roi des rois. Même Satan s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Sauveur, il est le roi sauveur. Il est le roi sauveur. Prophète s'abaisse devant lui. Il est le roi sauveur. Les docteurs s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois. Les fidèles s'abaisse devant lui. Il est le roi des rois.
Chakua, 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 leo, bibita, chakua, masia. Chakua, 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 leo, mimina, chakua, masia. Wewe dada, chakua, wewe mama, chakua, leo, leo, mimina, chakua, masia. Chakua, 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 leo, mimina, chakua, masia. Chakua, 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 leo, mimina, chakua, masia. Wewe baba, chakua, wewe mama, chakua, leo, mimina, chakua, masia. Chakua, leo, Mungu wangu, leo, Mungu wangu, chakua, leo, Mungu wangu, leo, Mungu wangu, chakua, leo, Mungu wangu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Umoneshe vazee wako asema ushilale. Amen. Okay. Bado tumia mbele mwimbo moya avant tuanze kushikia mambo ya Mungu. Mshimame mwimbo wote tuimbe. Chakua, chakua, chakua leo. Mimi na chakua masia. Chakua, chakua, chakua leo. Mimi na chakua masia. Wewe dada chakua, wewe mama chakua. Leo leo, mimi na chakua masia. Chakua leo, Mungu wangu. Leo Mungu wangu. Chakua leo, Mungu wangu. Leo Mungu wangu. Chakua leo, Mungu wangu. Leo Mungu wangu. Chakua leo, Mungu wangu. Mon Dieu,
Wameo. Amen. Amen. Ok, c'est bon. À part tout à l'heure, si vous avant tout ce qui est prédication, Nami ta fungula, ibada et toi, Mangarip. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, l'écran. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et voici, nous mettons cette soirée d'aujourd'hui dans ta main. Nous voulons écouter ta parole. Toi, celle qui va parler avec moi, Seigneur, ouvre tes enfants les oreilles et leurs attentions, Seigneur. Permets à chaque enfant puisse écouter ta parole qui vont être prêchée cet après-midi. Guéris celui qui est malade, Seigneur. Toi, celle qui est le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Toi, celle qui a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous seront donnés par-dessus. Il y a parmi nous les gens qui sont souffrants. Il y a les gens qui sont fatigués. Mais toi, celle qui va renouveler toutes nos forces, Seigneur. C'est pourquoi nous te bénissons, nous laissons cet après-midi dans ta main. Protège-nous dans ta justice. Parle avec ton prédicateur, qu'il puisse lui parler des aliments qui viennent de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te recommandons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous te disons Amen. Amen. Banane barifika bien avant. Banani. Pour finir à 14h30. Mungwa mi bariki mushushi. Mushushi, mushushi. Tunafungula ibada yetu. Amen. Leo tutasoma kitabu bidei. Tutasoma Galates. Galates 5 à 18. Tutasoma na Marc. Marc 12 à 24. Tutasoma Marc 12 à 24, na tutasoma Galates 5, kwanza pa 18 kushuka. Si vous êtes intelligent ou bien intelligente, mutabambia ma verset ingine mitasema. Donc je crois aujourd'hui nous allons clôturer na thème yetu intitulé quoi? S'il te plaît, viens. Aujourd'hui, on clôture. Cherchez le royaume de Dieu. Mon piqué, Mikono. Amen. A pas me tirer attention. Tout a clôturé Léo pour que semaine prochaine, tout a béba. On a dit de chercher d'abord le royaume des cieux. C'est ça, non? Chercher premièrement le royaume des cieux. Mon éche, où le m'gona se tafta mbelo fal me mbing. Ami chone, mon éche ne moui. Mon éche ne na ouiwa. Ok, mon éche se tafta mbelo fal me mbing.
c'est bon. Pourquoi tu n'as pas fait un bel homme? Il n'y a qu'un seul Dieu. Nana n'a pas vu la seule ou pas à mon goût. Nana n'a pas vu la seule ou pas. C'est bon, mon goût a mis barrique et mouchouché. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans l'univers. Mungu ni moya. Akuna ba mungu ba ingine, ni mungu moya. Comme on a dit dans Hébreux 11, il est tout rond la semaine passée. On avait vu dans Hébreux 11, kwanza pa première verset. On a dit que, or la foi, c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère, d'une démonstration qu'on ne voit pas. Donc, qui toi tourne? Amen. Amen. Mouchilale, moufouate bien. Donc, nous avons besoin de bien Léo. Attends, on a fait à ta mon quartier, à ta voisin, à ta nani, à ta papa, on a fait à la maison de mon échabu. On a son moufoundisha. Tu n'as pas tana? Ok, c'est bon. On a dit qu'il y a un seul Dieu qui règne dans le monde entier. Mais na vile kukupaka mungu moya. Bashikulande wa mukaritia sema. Il y a trois Dieu. Kukupa mungu bangapi. Monisha sema baba. Ushinilande bongo. Mina yuwa kukupaka mungu moya. Comme il est le seul Dieu. Il est descendu sur cette terre. Aishukia mwanani. Mungina nani. Ya Yesu Christu. C'est tout. Et quand il est parti, pas la Nenda, il nous a laissé un autre consolateur. Tout à Soma, Jean 14, quand ça va, premier verset, mon est le consolateur qui nous a laissé. Lis là-bas, Jean 14, premier verset, tu descends jusqu'ici. Jean 14, premier verset. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez, oui, où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, l'avenir et la vie. La vérité et la vie. Amen. Okay, c'est bon. Ici, Banasema roye nu ishangaike. Parce que dans ce monde, Bakulanda na beko ba mingi. Là, je vous dis directement que l'église kanisa aina saiki kinyumba mungu nona. Kanisa ni maro ya bantu ile roye nu njo makanisa. Vous avez compris? Donc l'église c'est pas ça. Tu peux grandir maogulanda c'est maintenant. Quitte là-bas kanisa yetu iku ya étage ya je na ya je tout ça n'a pas de sens.
Tout ça, ça n'a pas de sens. Kama yikwenga ni sata ba shoyenga je. Ataki ku kya je, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un problème. Mais que l'essentiel, roya ko ikwe bien. Que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne un exemple. Kukuba kimbanguiste. Bamu kimbangu. Banasimaka sima beko na Saint-Esprit ni papa simo kimbangu. Mais, ça c'est idolâtrie. Munashikia, idolâtrie cela veut dire beko na budu kintu. Dieu qui le mungu arikatalaga na batoto à Israël. Vous ne pouvez pas faire des idoles. Dieu a kunya budu, ça ne peut pas se faire. Me convertir kintu à Saint-Esprit. Il a dit, je vous envoyerai un autre consolateur. Le consolateur a un amuntu, ni Saint-Esprit. Et Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi gama muntu est qu'on a Saint-Esprit. Muntu a la vérité. Pas qu'il n'y a qu'il n'y a pas bien akweri, bien. Donc cela veut dire en quoi on a Saint-Esprit. Saint-Esprit, il t'a moutonché. Donc la Bible dit que Saint-Esprit vous conduisa, il te conduit en toute vérité. Il te conduit en vérité et autre. Il te conduit en vérité et autre. Donc cela veut dire. Biote bibaya. Autant de fois tu es là, parce que le Saint-Esprit nous a conduit. Tu te réveilles un bon matin, où on a besoin, ou puis que quand même, le Saint-Esprit nous a conduit. Le Saint-Esprit nous a conduit. Tu peux te réveiller un bon matin, mais tu m'as dit tout ici. Quoi c'est au Qatar, le Saint-Esprit nous a conduit. Donc c'est quoi? Saint-Esprit, il t'a conduit bantu, mou vérité. Saint-Esprit, il t'a conduit bantu, mou vérité. Donc, il t'a kutosha mou bongo. Il t'a kutosha mou landana. Aouta landana tena. Il t'a kutosha mou vérité, ou toka mou toto, ou a bien sana. Quand on dit que Roye nous shangaïke, Roye ako shangaïke. Vous allez quitter ici, vous allez grandir. Moutakomea. Ah, c'est Moutakomea par rapport. Non. Moutakomea. Il y aura les étapes. Ma étape est à Kouachana. Malgré tout ça, Bible qu'on a sema, Roye nous shangaïke. Là, j'ai besoin de vous dire vérité, moi, qui me revient. Une vérité qui me revient. Donc cela veut dire quoi? Tu as besoin. Parce que l'ande, où on a besoin, pourquoi akiri, imu Bible. Il est Salomon Lombaka, intelligence. Tu as besoin, pourquoi riche, c'est à la Bible. Tu as besoin de la vie éternelle, c'est à la Bible. Où on a besoin, donc vous faites bien tout bioté. Où malade, on a sema, après ma goutte à dawa, michina na yo. Tu te dis, la guérison c'est à la Bible. Bantu bashimilande. Donc c'est pourquoi on a dit que, oh, la foi c'est une ferme assurance. Donc cela veut dire quoi? Ferme assurance, on espérait qu'il y a un. Tu t'es dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Il faut nous équiper. Tu t'es dit, ça a dit, il n'y a pas de makuta. Et directement, ça s'accomplit. Donc, cela veut dire, imani ya gorkwa ya nguvu sana. Maintenant, tu t'es dit, tu as besoin de la guérison. À la maison, on n'a pas d'argent. Mulango akuna makuta. C'est à la Bible. Même si vous grandissez,
Tout c'est à la Bible. On a besoin qu'on est poli. Un verbe en tout beau, c'est à la Bible. On va tous Bible, on a ça pour soi. Patagonesha, des conditions qu'il faut suivre. J'ai dit que tu es malade, tu te dis, on a besoin mon gars pour nécher. Bible qu'on a seulement, il faut pour chasser les démons. On a ma démon ingia mounyumbenu. Ma démon ingia, ma démon ku aguachana. Nezgua par exemple amupatane, bantu amupatane mounyumba, ni ma démon. Ma démon tu aguachana ingia. Maintenant la Bible dit, pour chasser les démons. Jok fukusha mpepo mchafu. Jésus à la montagne. Yesu pa la rugo mulima yiko nonesha. Ba disciple baki. Si vous voulez chasser les démons, il faut prier et jeûner. Kama una jeûner, unaomba. Mungu anakushikia. Notre thème ya fek nini. La force de la prière. On avait lu dans Éphésiens que fait connaître vos besoins à Dieu. Tu es souffrant. Moukou malam. Moukou malari. Papa kou malari, maman. Des fois, papa se dit I malari aitaisha. Stop, suivez. Des fois, papa se dit I malari inapita niveau. Prenez la Bible et lis. Parce que la Bible nous recommande qu'une seule condition. Il y a des conditions qu'il faut remplir. On a besoin d'un Saint-Esprit. Il n'y a pas de condition. Parce que l'on a besoin d'un Saint-Esprit. Mais si vous gênez, on a gêné, on a dit non, je prends jeûne à 2 jours. Moi-même qui vous donne des exemples, je n'ai pas de malaria ou deux fois, je vous gêne. Je dis, si tu as ouzadawa, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Je me dis, je dois gêner et les choses, inaïcha. Il est un témoignage. Hein. Maintenant, vous vous dites qu'à la maison, malari n'ingia, ma mpepo mchafu n'ingia. Yesu était au montagne, à quoi comme lima. Anonesha ba disciple baki. Les disciples, même vous là, vous êtes des disciples. Ce n'est pas seulement ba le, à quoi non, même vous. Vous êtes des disciples. Maintenant, disciples comment? Quand on vous dit des conditions qu'il faut remplir pour chasser les démons. Chasser les démons, Moudje. Non, c'est possible. On a fait un peu de temps. Comme il y a malade, il y a un on a gêné. Après que vous gênez, mangaribi on a omba. Urisema ni fukushe mpepo il faut ni gêne niombe. Tu as accompli les conditions que Dieu t'a recommandé. Après parler, on a mocha sasa Mungu. Minaisha ma condition. On a dit que or la porte est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère d'une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On espérait guérison, c'est ça non? Amen. Amen. Ok. On espérait guérison. On a monné chez Mungu. Minaisha ma condition est comme minaisha. J'ai fini. J'ai presque fini. On a monné chez Mungu. Tunza sasa. Tone miujiza yako. Parce que c'est clair. Tu as fini les conditions. Et tu vas voir Mungu. Il va s'accomplir. Na wantu wanza kushtuka sema. Arkwa malari. Anapona. Tout ça c'est quoi? Parce que tout c'est à la Bible. Tout. Bintu biote ni mu Bible. Bashimilande. Donc c'est pourquoi tu peux te dire que j'ai besoin d'intelligence à l'école. Tout c'est à la Bible. Bintu biote ni mu Bible. Bashimilande. Et maintenant. Pour être disciple wa Mungu, ça nous demande ukwe na mapendo ya bien. Nous allons lire maintenant dans Galates 5, 18.
Viens lire. Tu as... Bon. Ok. Commencez par 18. Galates 5 à 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les... Stop. Amen. Amen. Mufuate y verset bien. Ikuya bien, mufuate bien pour l'épaule. Tu peux reprendre. Galates 5, verset 6. 18. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les... Amen. Mungwakubariki, rentre maintenant. Là, je vais lire pour vous faire comprendre tous. Galates 5, verset 18. Donc, chapitre 5, verset 18, Inasema. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Asema, kama ku conduit na Saint-Esprit, auna tena mu ma loi. Loi, cela veut dire quoi? Palais Jésus, Arkwa Chiakoufwa. Là, vous allez voir ça quand vous allez quitter ici après Moutenia Mounani Abakoubwa. Après avoir Moutoua Chiamini, il est. D'abord, vous avez la grâce. Vous achetez la prédication. Même celle-là, qui sont encore mouillés ma condition, aïe ma loi. Tu peux trouver quelqu'un à la maison. Quoi, beau? Là, c'est non. Loi, abo, abato, tu vas namouke, banakatiaga nyuele. Quoi, beau, tu banakatiaga nyuele. Donc, ni loi, abo. Abayagwa, moubia, mungu, Esprit Saint, ayanza, kuba diriger. Or, la Bible, ikoun interdit, mon amouke, katisha nyuele. C'est pas bien. C'est pas bien. Maintenant, ici, on nous dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Comment vous conduisez dans le Saint-Esprit? Vous n'êtes pas sous la loi. Et là, je continue. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen. Asema, ibibiote banataya, uleko na bifuanya. Ashita riti ufalme wa mbinguni. Teme yetu,
Cherchez d'abord le royaume des cieux, c'est ça, non? Maintenant, si on nous dit, si quelqu'un fait toutes ces choses, il dit bien, toi, on a dit, foigne. Achta pas ta femme, mais wambingo. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à ce que les gens font bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre toutes ces choses. Que loi, kama ou yamini. Donc, kama ou na esprit, ibibintu, abina contre, parce que ni bien. Or, si quelqu'un est ko wa chetani, parce que quand nous venons ici, mungu wa chakou chakoula ba totoaki. Diable na yanza ou chakoula ba totoaki. C'est pourquoi même quand vous venez ici, on a esquivé la fille qui a commencé à vous déranger. Ou alors on a fouetté. Anza vous déranger, moi je sais pas. On a tiré ma kélélé ni fouetté. Parce que pourquoi diable est en train d'utiliser les gens? Anéita tout. Comment ni moi ni vous. Anza vous mutumikish. Anza vous déranger. Tout ma kélélé, bin tout quand il m'a désor. C'est le diable. Maintenant, si Dieu utilise cet enfant, on a esquivé ni calme. Donc cela veut dire c'est dit ça. On nous dit que ibibintu kama ukunabio si exerce ça ukunabifanya autapata ufalme wa mbingu. On nous a dit la magie, l'idolâtrie, l'impiété, l'impudicité, la jalousie, des querelles. Donc cela veut dire quoi? Tu es bien. C'est ce qu'on dit ici. Des querelles, bien kukukotana. Mais quand tu te dis que, directement, c'est le diable qui commence à titiller. Si on ne t'a pas payé, ce n'est pas un problème. Kama bakujie. Turu yako na weta fika, batakujia. Mais si on ne t'a pas payé, déjà on anza. Anza ukreye bia romu baya, bia kuritupa tupa mbulongo. Oh, ye bana mujia, koma bana mpenda paka ye. Non. Or, il faut avoir l'amour, la patience. C'est ce qu'on a lu ici. La patience, la joie. Kama na mujia, kwa mufura. Kwa mufura, bana mujia, na yoba takujia. Amen. Amen. Donc, quand on lui paye, sois patient, na yoba takujia. C'est ce qu'on vient de lire. On a dit que mon Bible, mon biote, bashimilande, attaque à papa, attaque à bashimila. Mon Bible, mon biote. On en a papa, malaria na pita. Anza qu'on cherche seulement, bien mon amour, mon cher. Non, papa parle, par quoi prophète moya, et qu'on a cette idée. Non, on cherche papa. Bari tu fundisha, kama magumu ina pita. Sur ma toute Bible, tu n'as pas ta solution. Et cela, c'est vrai. Or, sans la foi, on a lu dans Hébreux, 6e chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, il faut celui qui s'approche de Dieu. Il vit mon akouya, mon asema. Mungu est qu'on existe. Nana yo ase mungu est quoi? Dieu existe. Qui connaît? C'est bon. Mungu a mibariki. Mungu a mibariki. C'est bon. Les gens qui connaissent que Dieu existe, c'est bien. C'est ce qu'on nous dit dans Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible.
possible d'être agréable à Dieu. Que tout celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. C'est bon. Tout celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Donc, il faut que c'est mon gueko. Attends, on a le coup là. On a ce mungu. Mais il faut que tu pardonnes. Parce que la Bible nous dit, sans le pardon, il est impossible mounaya ko pardonner. C'est impossible. C'est impossible. On a dit que nous allons lire dans Marc 12. Nous sommes maintenant Marc 12. Amen. Ok. Non, tu n'as rien dit pas comme hébreu. On était en train de dire que dans Hébreu 11, verset 1, et or sans la foi, Hébreu 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que tout celui qui s'approche de Dieu ait assez, Dieu existe. C'est par la foi que Noé. C'est pourquoi tout celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Doit savoir que Dieu existe. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, kama una na imani, auta chofia kwa Mungu, parce que una na imani, banakonesha seba, tout ce qu'on peut faire, bien tout biote, tout à fois, il n'y a pas de dunia. Biku ni mu Bible. Mais oui, comme on a dit, cela veut dire tu n'as pas la foi. Auna na imani. Tout, c'est dans la Bible. Mais, avant que les choses puissent s'accomplir, pour y gêner, après que je n'ai, on a omba, on a dit à Mungu, non, apa mi na isha komba. Foi, ça, ça miracle ya ko tendeke. Mais si tu as un problème, parce que la Bible nous dit, si tu as un problème avec quelqu'un, il faut me pardonner. Uruase kumasomo rikosana na muntu. Murumie pour que Mungu na yakurumie. Avant des déclarations que tu as fait par rapport à la prière yako. Kama na yasema tu as un problème avec quelqu'un. Urichambulana ou bien papa barikutuma. Ou bien paka kukatala. Mushirikisha papa ou bien mushirikisha maman. Avant de faire n'importe quelle déclaration, il faut mbele ou pardonner. Kama ou bantu barikushirikisha. Ou bien ou bien ou pardonner. Mais quand tu lui pardonnes, ou tona mungu na ye, ata ou pardonner,
directement, il va recevoir tes prières avec succès. Mais quand je suis un problème, je suis un problème, na maombi yako ni abomination, ni machukizo kumbele ya Mungu. Tu as des problèmes, unaomba. Ulichambulana, unaomba. Mungu hajitashikia maombi. Ulichambula professeur. Kwa shupo tu mambo ase ule professeur na hela kwa kakichua. Una kile hatu kile anavala. Akipaya, baba. Unachambulana deja. Mais tu dois changer. Mais kama unase, non, Mungu. Chaque jour, je dis que kwa Mungu kama unendako. C'est comme, tu dois prendre des exemples. Iku sa unenda kongola ndeni. Mais moi, habita mifikia bia mandeni. Dans ces étapes, ni abantu wakubwa. Quand tu pars, unenda kwa Mungu. Il faut mwoneshe Mungu. Busubui, miri chambulana. Unirumieku. 12h. Miri pikana lupi. 16h. Miri kengulana. Donc tout ça, Mungu anangara sema, omutoto eko fidèle, eko reconnaissant kumambo ile konafanya. Mungu anangara sema que c'est bon. Unase Mungu unyurumie. Mungu anatosha bubaya. Njo naingesha sasa déclaration ya maombi. Mungu, niko na besoin unitunze. Mungu, niko na besoin nipatie akiri. Mungu, niko na besoin. Donc tout ce que maintenant tu déclares, bigu nenda musalama. Parce que aina tena abomination inakuwa ni baraka. Donc ni baraka binaanza kwenda sasa. Mais si tu n'es pas turusomaga mu psaume 112 que erre l'homme qui marche selon les voies de Dieu. Asema eri muntu eko na tembea selon manjia ya Mungu. Mewe kama unatembea selon manjia ya bantu. Kukalamushi bwako. Mungu bantu atakulani. Tu vois, les gens des quartiers, ba mu quartier. Mais c'est maintenant, kale katoto, non, mukaji. Kale katoto. Kama témoignage ku muzuri, c'est une bénédiction pour les gens du quartier. Mais si les gens disent dans les quartiers, ou les moitiés, maman, ou les apana. Il est impoli. Tu dois confesser. Il faut s'aimer au Mungu. Pourquoi abani pendake? Pourquoi abani tumai? Papa n'est ce qu'on a sema. C'est pourquoi quand Mungu na mapendo. Papa n'a besoin que tout muntu. Mungu bade. Muna pas chata kufia. Muende parce que ni mapendo. Bakutume. Papa n'a yashki bien. Mais on va la faire kutuma muntu. Mbio, unakachika, unaingia kama ni munyumba. Ce n'est pas bien. Aina bien. Papa ina besoin tume muntu ampache mai. Ubi ampache kama ni Biblia soma. Ubi ni nini, kintu kia kwa chana. Uona kimbia sema, ah, papa na ye kutumana. Or, ni buen poli. Or, tu dois savoir comment. Quand tu es, Dieu apate benediction à muzazi. Quand il est encore en vie. Bintu biote kuna lomba. Donc, kuna mpachia heshima. Heshima ni mubintu biote. Ata mama mwenyewe. O mama anapitisha. Anakwaka lutumo. Munsoko nipaka miye. Aishi mutumake ye joli. Aishi mutumake kama ni nani. Non. Quand on t'envoie, wende. Parce que papa, il est une grande personne. Shika mbele. Banguzala. Anakukomesha. Kukutuma tu. Kama wanakutuma, kinini kitapotea? Kama wanakutuma, kinini kitapotea? Hakuna kitu cha kupotea. Voisin anakutua tu. O patient. O mida jolimi shpenda bintu akuitana bia vile non. Banakuita, abaya kuonesha ta mambo. Wewe deja unaanza kufoka. Wewe deja unaanza kurendre bantu ba. Or ça n'a pas de sens. On a dit que il faut que tu aies mbele ufalme wa mbingu. Bintu biote. Bitafuata. Milande. Bintu biote bitafuata. Kama unatafuta Mungu. Una besoin. Una prier. Après prière, unasema Mungu. Unipatia akiri. Unipatia akiri.
utashikia mkartie mena sasema kale katoto kanekalaka kiri ata fomo ata kwabo kanekalaka kiri ni nini c'est parce que tu marches selon les voies de Dieu on atembea selon manjia ya Mungu. Amen. Amen. Ok, kama Mungu natembea selon manjia ya Mungu, Mungu na yeye atemionekania. Inaweza kuwa paka hivi barifia kukonga. Unashtukia tu moto wewe unaripika kama ni mumuchi. C'est quoi? C'est parce que tu marches munjia ya Mungu. Munashikia professeur eko paka natapa mu masomo. Kale katoto akiri. Ce n'est pas lui qu'il est en train de glorifier. Et qu'on a glorifié ni gloire à Mungu. Ni Mungu a rukupacha ile akiri. Maintenant toi, au lieu de comporter sans mutoto, wa bien wa akiri, ou qu'on a dû comporter sans mutoto moi tout hivi, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi oui Mungu na shikia mamu. Kuku batoto bengine abapi shikia ake. Kwa ni maistua. C'est pourquoi il n'a pas choisi de transformer. Il a mis pas de kiri. On a quoi kiri à mingi sana. On est mtoto wapi. On est mtoto fulani. On va nous mbaka wapi. Bale wa mtabea. Ah, bale kwa kiri. Batamisa sebe kona lawa. Aina lawa. Batamisa sebe kwa wane gala buloji. Amaga ni mfanchaga lawa kutoka paka wakuanza. Aina lawa ni Mungu. Mesi ti te concentre kubia Mungu. Mungu na yata jiko centre. C'est pourquoi il faut que tu afuta mbele bya Mungu. Kisha biote bitafuata. Biote bitafuata. Vous êtes dans la maison, il faut Mungu na mapendo. Mapendo. Usopenda balo kwako. Usopenda papa. Usopenda bantu bote. Musalama. Mungu na yata ngara. Parce que Mungu, mwe mwenezi kona sema, mwenezi kuflate muntu. Kutuma kama ni kintu, unaflate mtu. Mungu njoo kunaona muru asema ona huyu. Bongo, mbongo. Bana mutuma mtu pansoko. Tena nenda mbele kutembea kwa shingine. Bana kutuma bintu bingi. Wewe nenda na wewe kufa bintu byako bingine. Tu sa c'est quoi? Parce que hauna na mashikio. Haupendi kutembea selo manjia ya Mungu. Or manjia ya Mungu ni kutembea mu vérité. Unasema no? Professeur anauliza. A poser question. Uswati anasema no tuko na cours du soir. Banani batakuya. Kama unasema ndio mimi takuya. Après muroko na sasa semie shitenda ko. Mungu njoo kuona. Mais tu peux dire, c'est Rana Oulisa. Banane batafika bien avant. Kejo. Mie, mie. Après, mouro, on a sema. Mie, shitenda. Tafika reta. Juni va shirikisha. On a dit shirikisha, we moya. We moya, ni maisha yako. Oh, Mungu, njoo konona mouro yako. Mouro yako yote konona. Donc, on a dit kusema hapa inje bingine. Mule mouro, on a panga bingine. Mungu yako konona. Or, c'est que nous devons faire l'amour, la patience. Patience, mubintu biote. Kumulango kama wanaujia huyu. Ushikuwe na kipidite. Ya kusema, nami paka muniujie. Mia munipendake. Non, il faut patience. Kama kuna patience, pata bintu. Kisana. Mais si tu n'as pas la patience, utakuwa paka wakuperdre bintu. Utakuwa paka wakujiriria. A tout moment, paka wakujiplendre. A tout moment. C'est pourquoi, kama Mungu na mapendo, bintu biote bitakuwa bien. Autanza kuchukia bantu kwa shipo mambo. Oh, mi ule. Chupenda ata kumusemeshi. Ule. Mi chupenda ata kumulamukia. Kanikalaka empoli. We, umulamukie. Kama nakatala manfu mwache kila shiku. On a fait tout bonjour, bonjour, bonjour. On a moulamouki. On a échangé.
muntu munengiaka naye mukanisa paka hivi muko memu mukini amula mukiane munapitana saa muyuane asema kule tulikuwa naye wapi kule kwa kodzi mlamukiane roho ya mapendo ifo ikwe mu maroho yenu jua kuonesha ke Mungu na mapendo kwa shote mushiko na machuki bile ni bintu ya bantu wa mudunia bala bashikiage mambo ya Mungu ngala machuki kutana sekona lisi le kerel bia kukutana ma dispute bintu bia je bia kuonesha na mangu mimi kuna nguvu mimi takupiga abina na sense abina na mana mubiache kiaeri ni mambo ya Mungu. Mtu anaosha sema kumasomo mezo kupika mezo kufanya nini pa kutoka fa tu kuomba mwanisha sema hakuna problem kuna nguvu mimi nakimbi mimi nakatala mambo mwanisha sema hatutagombana wewe kuna nguvu aina sema una na nguvu ya kuombana tiala force mais unarishusha parce que Biblia kunasema mkweli mkwe na humilité mushkwe ba orgueye mtu anaosha tutagomba ifo tonesha nguvu pa kutoka non umoneshe hakuna problem wewe vile kuna nguvu utakumbana wewe moya mimi tutakumbana na wewe unamwacha anafaa bintu yake anapenda kunaisha et quand tu dis comme ça tu es libéré Yesu pale alikuwa kumsalaba alikuwa na nguvu ya kuonesha taba yuda sema mkufu moya muminite bakufwe mais anasema non achi bafwe bile banapenda. C'est comme ça na mwe munapasha kuya hapana koneshana manguvu bintu kanibia kwa chana mkuna nguvu mkuna ayo iku saa Yesu alikuwa kumsalaba alikuwa na nguvu alikuwa na puissance ata kuvunja misalaba kimbie me ashipende kubionesha bile biote ashikupende kujionesha asego Mungu pala anatoka mukaburi anaonesha Marie asema ushinitushe ushiniguse paske mishaenda kumbingu paske pale Yesu Kristo ni Mungu 100% paske kama Marie angemtushe pale Marie kuna nzambi manzambi ya mingi Yesu alikuwa shaenda donc kama angemtushe bintu mnyalabika anase no ne me touche pas je n'ai pas encore allé au ciel shaenda kumbingu shimama mbili. Après, anenda. Mkwenda sasa nasema, mite mitayarishia fashia bien. Tamitumia Saint-Esprit. Saint-Esprit ni vérité. Parce que Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, vérité kame na kwa mkinyo, nwa sema, non, ni Saint-Esprit, nanza kunu kondui. Kama nuna bongo, nanza kuya. Mwoneshe Mungu. Unisaidia unitoshe ubongo. Maesprit mubaya inaanza kuwa mkichwa. Unaanza kuwaza paka bibaya. Unaanza kuwaza bibaya. Mwanisha Mungu, unitoshe hivi bibaya. Pardon, unitoshe. Mungu anapendaka kama unamuonesha. Na yana execute. Kama unakatala, na yana kuacha. Kama unasema Mungu nipachia. Mungu ara consciente yako asino. Kwenye na besoin akiri. Dieu va te donner l'intelligence complète. Atakupatia kiri ya mingi. Na mkati watanza ukikimbia. Mekama olombe. Utopo wakushindwa. Wakushindwa kumamasomo. Wakutoko wa mwisho. Biaje bia kwa chana. Tout ça c'est Dieu. La Bible dit que toute chose que vous demandez, croyez déjà que vous l'avez déjà reçu. Que bintu yote muna lomba, mubiamini asema, musha kubipata, unalomba akiri, unasema non, hapa, nisha kupata deja. Tu vas voir, même la croissance, ya kumasomo, itanza kuya, croissance, panaza kusema ule mtoto, eko na lawa, non, c'est la croissance humain, croissance céleste, inanza kufua croissance. Akiri inanza kuya, parce que urilomba kwa Mungu, comme on avait lu dans Ephésiens qui fait connaître vos besoins à Dieu. Pour imonesha Mungu ma besoin yako. Mungu sasa. Anasasa ku
Ansa sa kuchu experimente sasa. Jo pale unashikiaka, kama muntu, bana mtekia mama shishi, bana mushindwa. Batasa sema, eko na buloji. Ulefo ba mangari shishi bien. Babake kwa buloji, aina buloji. Maombi inabachoma. Maombi inabachoma. Meka maombe, diable ananza kuatake. Diable ananza kucheza. Diable, donc, na tumademo tulogo, tunanza kucheza. Tunanza kumichezea. Tunanza kumichezea kunyumba. Tunanza kumichezea. Muma imani, mubintu biote, tunanza kumichezea. Meka monasema, sa vile, onadike, Biblia nasema, huko na bezo fukuze mpepo mchafu. Tu te dis, je dois gêner. Il faut gêner. Mushuka saba mukimbanguiste, ba mumakatolika. Eh, il dit, tu kuna ba mungu batatu, mungu mwana, Roho Mtakatifu, biaje. Or, nous avons qu'un seul Dieu. Mungu ni moya. Mungu ashita kuyaka ba mingi, atashi ni mungu moya. Il est le seul Dieu. Ba mukimbangu nabwa sema, oh, papa kimbangu njo Saint-Esprit. Beko na landa. Bantu bakubwa, beko na balanda. Bantu bakubwa, beko na toto, samuye. Beko na pata sema, papa simo kimbangu ni sete. Muna bintu abina tena sans. Abina na sans. Beko na landa bantu bakubwa. Na maverse tena biblia kwenye na balanda. Mi auta ni landa meta wanesha baba. Acha kuni landa bongo. Kama ni nani, wetu mkushuka se baba, uku bongo. Mi auta ni landa, paske ni nini, usha kuyua. Banakonesha hapa sema, no, mungu ni moya. Ushikiwa kumasumeno yuko nakonesha sema, no, ba mungu bekubatua. Na yuko nechika. Kumonesha sema, acha bongo, haba kutufundishe vili. Uku bongo. Si no, sempesa, tunaklotire leo na teme yetu ya cherche d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Et les restes seront donnés par des si. Parce que, kama mutafute ufalme wa mbingu, batanza kumilanda. Batanza kumilanda. Batanza kumonesha seno. Ule mufumu. Anatunzaka. Anaponeshaka. Anafanyaka nini. Oh, ya qu'un seul Dieu qui opère tous ces miracles. Mungu ni moya. Eko nafua mamiujiza. Bashi milande. Mungu ni moya. Eko nafua miracle. C'est pourquoi. D'ailleurs, vous là. Atenye manzambi, mishu komprendre mbedi. Mamatushi, shimunacha. Pasi kama mkuba takatifu. Takatifu selave dikwa, amufwe manzambi ata moya. Muzale vwa, ata pakomba, mungu weko nashikia maumbi yenu kupita na bengine ya bantu wakubwa. Asi mtu mkubwa, defwe sedi kichwa nguvu kinapita, ashpendi kukonfese. Ashpendi ata kutubwa seno mungu ni urumie. Eko nuna mungu sarafiki yake, meona seno, mishu na nzambi, mungu. Saidia mo shikia yangu. Umsaidie papa. Umsaidie mama. Me grâce à maombi yako Mungu anaweza kusaidia. Muku bagonjwa mu famille. Bintu byote binakuwa bloqué. Makaji ya papa inashimama. Makaji ya papa inashimama. Shimama au déclarer umoneshe papa. Tombe njo vile baritonesha mu Bible. Parce que atuna na shua. Atuna kwa shingine ya kwenda. On a dit que, oh, la foi est une ferme assurance. Donc, ferme assurance, cela veut dire quoi? Comme vile mou déclaré, mou nasse non? Vile kou moulango bantoué kou malari. Papa, baritonesha, kama tu kou malari kou moulango, tombe mungu atajibu. Kama papa imani yake na kwa kilogo, mou nesha papa, njou vile biva rinyonesha. Munaomba, il va t'appuyer quand vous allez prier. Mam, avant d'aller ya ku étape ya guérison, il faut nzembele ku confesser. Mais ça tombe moi ça passe tout tout mbele. Muna confesser mbele. Ma problème mku nayo. Kama mku mambo na ba voisin, kama mku mambo na bantu ba mu quartier ba ukanisa ba biaje bya kwa chana. Moi ça papa, tout tout mbele. Jo tulombe sasa ma guérison. Je te l'ombe ça, ma héritage. Je te l'ombe ça, Sabine, tu peux chana. Donc, parce que Dieu, il a dit, tout pouvoir m'a été donné.
Diable arwa na mutante Yesu. Diable Yesu arwa mujena 40 jours. Diable anamubeba, anamutupa yulu, anamonesha kama huko mtoto wa Mungu ritupe chini. Amonesha sema, Dieu il a Yesu arwa na pouvoir yote, anamonesha utatante Mungu wako. Parce que Jésus alijua à chaque fois qu'il y a un pouvoir céleste. Donc c'est pourquoi. Ata muntu na musese ni muloji ni nini. Kumonesha sema mishita kongopa. Pa Mungu kunaisha. Et quand tu déclares comme ça, véritablement, wanze kuishi, maneno ya bien. Maneno ya vérité. Unaanza kuishi vérité. Là, je vais dire, attends, nakubana muke. Ata façon yenu ya kuvala, mwanze kuvala bien. Apana kuvala tu ka jipe kafupi. Pourquoi on dit ça? Pourquoi je vais insister pour ça? Parce que kuku bengine, loaka shi achambulanaka, achafanyaka manzambi ngine, mais vile anavwala mubaya, et qu'on a commettre péché sans le savoir. On est souvent la jupe kaoum et tu marches. Tout le monde sont créés dans leur pensée. Bantu bakubwa, batoto. Des fois, ils parlent de l'homme qui est bonjour. Eh, ni, bakwa émotionné. Parce que pourquoi tu es mal habillé pour ça? On est souvent la jupe kaoum et tu marches. Tout le monde sont créés dans leur pensée. Bantu bakubwa, batoto. Des fois, ils mais à cause de cela, pour voir la mubaya, Mungu atakuliza. Pourquoi on a voir la ville? Parce que la Bible qu'on a sema, comment on a voir la mubaya? Et que, parce que il y a les gens qui font l'adultère par rapport aux pensées. Pour chaque voir la mubaya, directement Mungu en fois boucharati naweye sans le savoir, c'est un péché. C'est pourquoi même nos façons de s'habiller, il faut être modèle. Tout le monde a bien. On n'a pas besoin de montrer ça. J'ai dit que nous avons. Il y a ça. Nous avons besoin de combattre dans le monde. On a eu ça. Il y a ça. Je vais donner. Viens. Est-ce que. Comment vous avez dit que vous avez dit hein? Est-ce qu'on y pique? Achetez un y pique. J'ai le pouvoir. Mais t'as mangé, non? Ah, on a problème. Je t'aime répondre à ta bibaya. Parce que je sais que ni qu'on a un goût, vous. On a tenu à Malabala, Rafika, ou toi, on a un chocosa. Non, tu as la force. On est à toi, on pique. Mais tu t'es dit non. Mais je t'ai combattu. On t'a un goût, on a un goût. On a gagné, tu vois. Oh, quand t'aimes bien Moubaya, des marchés Moubaya. Moi, je sais pas qu'on a un problème. Mungu a kurumie. C'est que tu dois lui répondre. Mungu a kurumie. Parce que parle directement. On a quoi un goût, vous avez bien. Parce qu'on a pour répondre, bébé, Mungu a kurumie. Tu n'as pas besoin. Il y a kokotane naye. A un an attend, il y a chana naye. Moi, j'ai tout Mungu a kurumie. Kunaisha. Auna natan ukokotane naye auna natan ushimangane naye anakuita non kuya François kuya ka professeur kaneto anakutupika kanatone anakutupika binkoni leo kama tu ananishimamisha mimi sitasema nitakuwa tu ninamwangalia ni bwempoli unaona mtu anaonesha sema professeur. Eko sa papa wangu, eko sa mkubwa wangu, ifo ni mweshimie. Kama wana murepondre venga konesha se, kukupumbafu. Mwesha sema, mie basha nifundisha sema, ifo kweshimia tuba kubwa. Ifo kweshimia bantu bakubwa. Amen. Amen. Basha tufundisha kweshimia bantu bakubwa. Mais kama unaona mtu ashishimia mtu mkubwa umwache ou avancer beba balabala yako avancer parce que yako na besoin akubulule
a ko influencé bile biko mu roho yake na wewe kwe na abio vile kwa matushi na kwa wa matushi vile kwa kibengo na kwa kibengo me sasa ikusa mku bantu bade uyu eko mu vérité uyu eko mu bongo mena ye kama na kukokota wewe muonesha sema shie basha tufundisha kuheshimia bantu bakubwa directement una mubulula ikusa una mubulula parce que yashina tena na nguvu atabakia mumpepo vile una mubulula directement una gagné na Mungu kumbingu anashikia bien que mtoto wangu anatimiza bintu bya bien c'est que je dis que Yesu arguya basha njika alikuwa na pouvoir ya kurikata ata biote e atokeko. Il avait le pouvoir. Il a pu rendre à terre ma jimu. Muntu wako na tembea pa mai. Muntu wako na tembea pa mai. Mui dunia yote. Ata mwenye diable. Ata mwenye nani. Aito wako tembea pa mai ba shimilande. Me Yesu wako na tembea pa mai. Quel pouvoir. Muntu wako na tembea pa mai. Ile nye ata diable ajita weza. Diable wako na landana. Njo kajaji. Anze kulanda, analanda na utu, analanda na iki, me, Mungu ashita kulanda, ata shiku moya. Me diable, kaja geni kulanda na, unashikia rafiki yako unakuwa na telefoni mumasomu, bana nyusha telefoni, unakuwa ajite, umuache, umuonesha semie, tayangu wa rafika, basha tufundisha sema, toute chose a son temps. Bintu bio tebiku na wakati yake. I wakati. Shina bezwe mbele na telefone hako. Ata unioneshe yo. Shita kuwa bezwe na yo. Manfo probleme. Kama mina shikia malari. Baku masumu wata mwenforme papa. Akuna probleme. Oh, njoy tutaitana, njoy biaje. S'il te plaît dans le telefone. Muku bintu diable. Eko na détruire nabio batoto wa Mungu. Diable, et qu'on a détruit na bin patoto a Mungu. Na la bisha bichwa. Wewe kama una telephone, ushijenkete. Umwachie Mungu. Tan yako itafika. Utafika sabale, saba frère babe ko hapo. Utafika kipimo kiapo. Utapita, batakuwa, taua, utakomea. Mais tu peux agiter. La Bible nous dit il faut patience. Kama una na patience, utapotesha bintu, utapotesha baraka. Peut-être Mungu alikwisha kupanga sema, non, mu 22 ans, il faut aishe, 23 ans, agishe, il faut afoe ibi. Mais we, njou ya presse, parce que urona rafiki yako na telefone kumasomo, oh papa, na mimi munuje telefone, njou akwanza ku... Una kirea na bongo, onjo akwanza kuimita, kama ni kumala, baba, ni mambo kani? Kote huku akwanza kubifanya, binatoka wapi? Unaza kuria, ifu unuje telefon, generasyon shakwa bintu bingine, mwe, ni mampepo ni buloji. Atama na kujua telefon, chunga tanya ago itafika. Tanya ago itafika, ona toa umasomo, kwa kusantre, mambo wa Mungu, na mambo kumasumu kunaisha. Muntu wakiri bana moniaka jini. Kani kita lekol. Apre kuisha kunawa. Kampepo kana mupita. Anabiba makaye. Ananza kusoma. Ananza kurepete. Bile profesera ananza kufundisha. Apre kurepete. Anaisha. Asema. Sebo. Kesho. Afa mena ma exercice. Ye moe. Mena demen. À l'école, Muntu, professeur a posé toutes questions moi. Qui nous rappelle cette date? Oui déjà tige. Quand on a kushituka. On a chiqué rappeler mon grand père mais on a kichwa. Oui ni parce que tu t'es fait des rappels. Ou faut rappel. On est du coup centré. Mungu anengia kwako. Mungu naenda kusaidia. On a quoi kiri amingi. Mais si tu ne te prépares pas, autant qu'on a qui,
Wona to watu masomo tupa makuli. Mungu tupa makae, au takwa akiri. Atama kuitaka sema huyu njo mwenye au takwa akiri. Professeur atapose tu question moya. Oh, that fulani ine tu rappeler nini? Unakuwa paka hivi. Unakuwa paka hivi. Tu unaanza kuwaza bongo, utalanda nini? Mais abikalaga tabi ya nguvu. Unatoka. Unabamba makaye yako. Unafua rappel. Pale unafua rappel. Iku sa unafua mise à jour. Donc, bile mulifunda leo. Unabirapele. Unafua mise à jour. Peut-être mbalabala. Mulikokotana. Mulifua bintu ya guachana. Unasabu. Yote warifundisha menenda mvite. Mekama unafua rappel. Mungu atakusaidia. Et Dieu va te donner l'intelligence. Même cela. Mudunia ile abana nayo. Na mwile dunia bena tafuta. Sino sempesa. Mungu amibariki. C'est bon. Hapa tunafia. Kumutolea Mungu. Batatumia ko mimbo, mwimbo mwe. Ya sadaka. Amen. Banani banashikia. Mungu mibariki. Amen. Mungu mibariki. Amen. Antoni chanson. Banani peleke. Kule kwa baba. Banani peleke. Kule kwa baba. Wendani kwa Yesu unajabu nisio na mwisho kule mbinguni. Wendani peleke kule kwa baba. Wendani peleke kule kwa baba. Wendani kwa Yesu unajabu nisio na mwisho. Lemsalema mupya mungi amani tuta baba baba tuta cheza cheza mwele baba mpule ya mpule lele 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 mwele dani ya Yesu Mwajabu, iliyo na mwisho, tuwe mbinguni. Amen. Amen. Mushimameni tuimbe shibote. Nema, nema, nema ya Bwana. Nema ya Bwana, mulango ni wazi. Oh, nema, 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 nema ya Bwana, nema ya Bwana, mulango ni wazi. Oh, nema, nema, nema ya Bwana, nema ya Bwana, mulango ni wazi. Oh, nema, nema, nema ya Bwana. Oh, nema, 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 Nema ya Bwana, nema ya Bwana, mulango ni wazi. Sikiliza ni
kueleze kwa sababu nina pura. Sikiliza nijina la Yesu sababu nina pura. Naomba ujina la Yesu. Neema, neema, neema ya Bwana. Neema ya Bwana mulango ni wazi. Oh neema, 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 neema ya Bwana. Neema ya Bwana mulango ni wazi. Oh neema, neema, neema ya Bwana. Amen. Amen. Munaisha masadaka. Okay, c'est bon. Hapa tunaanza kuomba. Kila mtu atomba, atatubu kama alikuwa na manzambi, unatubu. Porque kesho uanze kwa jingi. Ya lendi ku masomo, Mungu akusaidie. Amen. Ok, c'est bon. Je vais clôturer. Tufunge mancho. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et voici, nous sommes devant ta face pour te dire merci pour tout le bien que tu as fait pour nous. Toi, celle qui a planifié toutes choses, c'est de retourner. Tu as mis la main dans les choses. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Maître de toutes choses. Et voici, nous mettons la journée de cet après-midi dans ta main. Comme tu as dit, un ou deux se réunissent à mon nom et je suis là. Tu as dit que, or, celui qui s'approche de toi doit savoir que Dieu existe. Tu étais toujours avec nous, Seigneur, dans toute conduite. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu as fait pour nous, Seigneur. Il y a tes enfants, ils n'ont pas besoin de prendre encore les mauvaises habitudes. Ils ont besoin de prendre des bons chemins pour que tu puisses les conduire. Tu es le seul Créateur, celui qui bénit. Tu es le seul qui ôte tous nos péchés. Tu as dit que je suis celui qui ôte le péché du monde entier. Et voici tes enfants, nous sommes venus devant toute ta face. Nous avons besoin de prendre des bons chemins pour que tu puisses nous amener à la persévérance. Nous avons écouté ta parole, parce que toi, celle qui dit, bientôt tu reviendras pour nous prendre. C'est pourquoi nous voulons, avant que tu reviennes, ôte-nous nos péchés, ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face, mais toi, tu as permis cette soirée d'aujourd'hui que nous puissions écouter ta parole. Bénis tout celui qui est ici, Seigneur. S'il y a des cas de maladie, je déclare au nom de Jésus. Toi, celle qui est puissante et merveilleuse. Et qui est puissante et merveilleuse, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que toi, celle qui est merveilleuse, puissante, nous le déclarons. Que toutes ces mauvaises impies puissent quitter au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, tu nous as recommandé que tout c'est à la Bible. Tout ce qu'on veut, c'est à la Bible. Les gens ils ont besoin de la guérison. Ils ont besoin d'intelligence à l'école. Il y a celles qui sont faibles dans leur conduite, Seigneur. Des fois, ce sont des impolis, mais toi, celle qui connaît leur cœur, viens les changer, qu'ils puissent être des enfants modeurs pour témoigner ta grandeur partout là où ils partent. Tu es le seul Dieu, celui qui rémunère l'un de tout un chacun. Et toi, celle qui dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je déshonore ceux qui me déshonorent. Alors toi, celle qui est au-dessus de toutes choses, nous avons reconnu ta parole. Car vous avez dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître la vérité. Chacun de nous et chaque enfant, il a connu la vérité. Conduis-nous dans ta vérité et dans la conduite céleste, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être devant ta face.
Mais c'est toi seul qui a permis, c'est par la grâce. Même si nous parlons cette soirée d'aujourd'hui, c'est par ta grâce. Amen. Protège toute famille, Seigneur. Et protège chaque enfant. Quand nous voulons rentrer dans nos maisons, priez de nous assister. Et protège chaque personne qui te sert dans la sincérité, Seigneur. Priez de protéger l'un de tout un chacun. Protège nos familles, protège nos maisons, protège nos écoles, protège nos dirigeants à l'école, Seigneur. Amen. Tu es le seul Dieu qui les avait établis. Toi, celle qui dit respecter les autorités. Nous te rendons grâce pour cela et nous laissons cette soirée d'aujourd'hui dans ta main. Donne l'intelligence, ça laisse à chaque enfant, Seigneur. Amen. Seigneur, cette déclaration que je suis en train de déclarer, que tout celui qui est malade puisse recevoir la guérison divine, Seigneur. Amen. Priez de les assister. Parce que toi, celle qui est puissante, merveilleuse, toi, celle qui a dit, je suis l'Éternel qui guérit, je suis l'Éternel qui donne tout héritage dans ce monde entier. C'est pourquoi nous te confions toutes nos confiances en vous, Seigneur. Nous le croyons que comme tu as dit dans Jean, que toute chose que vous demandez, croyez déjà que vous l'avez déjà réussi. Nous le croyons cette soirée que nous sommes déjà guéris et nous sommes en force, Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous le déclarons. Au nom de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Mouikale, mouikale. Amen. 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 Ok, c'est bon. Kuko mutoto moya arachanani gourde ya kunyamu mai. Dimanche passé, semaine passée, turilokota. Kama uriwa sema uriacha, uri wenjo uri angusha, wenjo uriacha. Après hapa pakutoka, uchunge bakupachie. Munashikia, tuna repete tena, tuna sema hivi. Unpache le gourde kukuli. Unpache le gourde. Kuku muntu moya areangusha ile gourde ya mai ya kukunya mai kwa masomo. Kama ni wewe uko hapo kwa kubeba pre, kama tunatoka hapo kwa kubeba, kama ni nduku yako uko utakuwa kubeba pre i ule areacha semaine passé akwe ya bebe. Sino Mungu amibariki bale barifika bien avant. Mungu amibariki sana bale barifika reta. Mungu amibariki. Mungu amibariki. Hapa tunafia kutoka. Ifo kutoka muanordre. Kama bale beko na midirije. Bale beko na miongoza. Kama nasema sema. We utoke. We kwa hapa ikala. Kama nasema mwe mutoke. Mwe mkukule mwikale. Donc kama na mitosha. Ifo kubeshimia na bo muordre. Kutoka musalama. Shhh. Ifo kutoka musalama. Sino njo vile. Tu peux entendre une chanson pour sortir. Twende na salama ya Bwana. Twende na salama ya Bwana. Okay. Mungu ni wa nguvu. Alleluia. Mungu ni wa nguvu. Mungu ni wa nguvu. Alleluia, Mungu ni wangu, tumba, 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 yulu, chini, bana mwimbia, Mungu ni wangu, oh, alleluia, Mungu ni wangu, alleluia, Mungu ni wangu, tumba, 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 yulu, chini, bana mwimbia, Mungu ni wangu, tumba, 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 yulu, chini, bana mwimbia, Mungu ni wangu, aleluya, pepe, pepe, aleluya, pepe, pepe, aleluya, pepe. La maison de mon père, il y a des années. Alléluia, paix dans la maison de mon père, il y a des années.
tu as de la vie, 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 vie. Alléluia, vie dans la maison de mon Père. Tu as de la vie, 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 vie. Alléluia, vie, joie, joie, joie. Alléluia, joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie.